I like the freedom and being like an eagle, yes. Flying with solar energy, yes. Wind, thermals. You forget about many of your daily issues. That's what I like. So I like flying and I will fly until the last minute, whatever. As long as I can fly, I will fly. Ça fait partie des grands moments de ma vie de me dire que je suis capable de voler toute l'année et puis je suis toujours motivé pour le faire. On voulait rester autonome, avec la liberté qu'on avait dans le vol libre. Et le Swift nous donnait cette possibilité. Alors en classe 2, la nouveauté, très clairement, c'est l'utilisation d'une motorisation auxiliaire qui permet la mise en vol des pilotes. Je le dis comme ça parce qu'il ne s'agit pas d'un moteur qui permet, comme l'ULM, le déplacement, mais simplement d'une motorisation auxiliaire pour la mise en vol. Mais je crois qu'il y a dans la capacité de la batterie à peu près autant d'énergie que dans 0,4 litres d'essence. Donc on est bien dans donner l'impulsion qui permet à un pilote de vol libre d'aller se mettre en l'air, d'aller se positionner dans les thermiques, mais pas plus. Donc on restait dans cette philosophie du vol libre avec un moyen d'autonomie exceptionnel qui nous permettait de s'affranchir toute la logistique des remorqueurs, des navettes, et ça, ça a complètement changé le sport. Et c'est ça qui nous intéresse. On reste des pilotes de vol libre, mais on a une nouvelle façon de se mettre en l'air. Après le décollage à pied, après le décollage au treuil, après le décollage en remorqué, on a maintenant le décollage motorisé. Quand tu vas partir. Pas très loin de la start, à 2100, ça monte pas mal, 2005, 3 mètres secondes. Let's go! It's just 1 minute left. We got 700 at the start. Jacques, as usual, very strong. Franz Bachena, he was really pushing. And which was surprised, especially the first 2-3 days, was Patrick. I was a little bit worried with Patrick.
So he was at higher speed, he was slightly pulling away, so I could not do anything. I was like, and he's flying good, so it's like, it's not looking good for me, you know. Astra, c'est une base qui est très intéressante. On peut partir dans différentes directions et avoir des conditions très différentes. On peut faire du vol de plaine dans le sud, du vol sur des petits reliefs dans l'ouest ou le nord-ouest. On peut, dans l'est, on a la haute montagne, on a tout. En deux ou trois thermiques, on est dans les écrins, puis avec des plafonds à 4000, ça c'est fabuleux, quoi. On est dans les Alpes du Sud avec des conditions qu'on connaît ici, qui sont vivantes, qui sont réputées puissantes. Hein. Le fait de voler en c'est un petit appareil, c'est léger, c'est très maniable, ça vit beaucoup, mais oui, côté le fait de voler en Swift, c'est grisant de ressentir ça. Franchement, on ressent tout, mais quand je dis tout, on ressent aussi bien l'aérologie dans les petites conditions quand on est près du relief en point bas, il faut vraiment sortir de cette position, mais en contrepartie, on va la ressentir aussi quand on est dans une condition très très forte. Before the third turn point, which is in front here. Very nice to have Americans, Australians, Austrians, French people around you, yes. Exchange knowledge. I think it's just very friendly world championship, yes. Encore magnifique. Vous avez rendez-vous pour la